Recherche de fuite sur alimentation d'eau générale. Test de pression. Bien. 10 000. Ça représente à peu près 8-9 litres minutes. Alors, on s'aperçoit ici à l'endroit où les tuyaux rentrent dans la dalle, d'une humidité importante au sol, avec même par le trou en passant la caméra endoscopique, on voit l'humidité importante même de l'eau. Donc après, on cherche du passage des tuyaux. On a un passage intérêt ici, jusque là, qui va alimenter l'évier. Et avec l'écoute vibration, on a localisé précisément la fuite à cet endroit. Sur une échelle de 100, forte vibration, localisée précisément à cet endroit. Recherche de